Salut les filles. Alors aujourd'hui j'avais envie donc de vous faire découvrir la Glossy Box du mois de mai. Donc je l'ai reçue aujourd'hui, donc je voulais partager tout ça en direct avec vous. On va commencer maintenant. On va voir ce qu'elle va nous réserver comme surprise ce mois-ci. Donc ça se présente comme ça. Pour celles qui ne connaissent pas, donc vous faites un abonnement qui est à 15 € par mois, donc tous les mois à peu près, voilà, vers autour du 10-12 de chaque mois, vous recevez la box. Bon là ça prend un peu de retard, vous savez que tous les ponts du mois de mai forcément c'est un petit peu décalé, donc elle s'est fait attendre celle-ci, donc j'espère qu'elle vaut le coup d'œil. Donc voilà comment se présente la box. Donc, on va voir tout ça. Et donc, ce mois-ci, ça se présente comme ça. Donc ici, vous allez trouver donc le menu des échantillons que vous allez avoir. Vous avez donc le menu. Qu'est-ce qu'ils nous mettent donc? Vous avez aussi de temps en temps des bons de réduction. Donc là, c'est sur Zalando. Vous avez ce mois-ci 10% offert avec un code réduction donc sur le site Zalando. Vous avez aussi un petit fascicule, donc leur espèce de petit magazine glossy donc du mois de mai. Donc là c'est sur la Garden Party. Donc vous allez pouvoir y trouver donc le menu de tout ce que vous pouvez avoir. Donc vous avez plusieurs petites choses, des petits articles sur certains produits. Donc là en l'occurrence vous avez aussi donc le menu de ce que vous avez trouvé dans la box. Donc on va pouvoir découvrir ça maintenant. Donc c'est assez c'est vraiment triggerly, hein. Donc vous allez voir, vous avez toujours ce petit nœud comme ça. Donc on va l'ouvrir sans que je fasse tout tomber. Et donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc on peut voir que nous pouvons deux sachets self-tanning natural et uniforme color. Donc visiblement c'est des lingettes auto-bronzantes. Donc elles se présentent comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent donc sur le menu? Donc teint lumineux, bonne mine, peau de velours et parfum envoûtant seront au rendez-vous de votre prochaine garden party. Découvrez vite les indispensables beautés pour rayonner. Donc ils le vendent donc en full size donc par 8 lingettes à 9,90 €. Donc ça vous pouvez les trouver directement sur le site de Glossy Box pour faire des achats directs justement sur ces produits là. Donc voilà, donc après je vais voir sur quoi utiliser. Qu'est-ce qu'ils mettent? Conseil d'application pour affiner et naturel, il est préférable de réaliser la veille un gommage du corps et de bien hydrater la peau. Ça j'ai envie de dire c'est pour tous les auto-bronzants. Ça évite de vous retrouver avec des côtés plus marqués que d'autres. Le lendemain, appliquez uniformément les lingettes sur les zones concernées, puis laissez sécher à l'appareil sous quelques heures, puis plus d'intensité, n'hésitez pas. Pour plus d'intensité, je vais y arriver, n'hésitez pas à passer plusieurs couches. Je pense qu'au vu de la taille des lingettes, ça peut être sympa, tout simplement sur les jambes, tout bêtement, si vous voulez vous mettre une petite jupe avec les beaux jours qui arrivent. Voilà, donc on se retrouve avec deux lingettes. Voilà pour ce premier produit. Alors, je vais continuer sur le menu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, pour le coup, on a du bol, on a un full size. Voilà. Donc c'est un Luxurious Volume, c'est un soin démêlant, volume matière, démêlant douceur pour un volume et un toucher naturel, donc de chez John Frieda, pour les cheveux fins. Donc bah, écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, j'ai les cheveux fins. Qu'est-ce qu'ils mettent sur le menu? On va voir ça directement. Est-ce qu'ils m'ont mis au moins sur le menu? Ça, c'est encore une autre histoire. Oui, il est là. Alors, donc, en format, donc on est là sur 250 ml. Donc, c'est vraiment le format full size. Soin des mélanges, volume matière, il est à 7,90 €. Donc, votre chevelure a elle aussi envie d'évasion et grand air. Vous n'avez pas d'excuse pour garder les cheveux attachés. Donc, voilà. Donc, écoutez, je pense que c'est bon à savoir. Pour un volume qui dure et qui dure encore, poursuivez avec le traitement semi-permanent 7 jours. Bah, écoutez. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc non, c'est plutôt la bonne surprise de ce mois-ci. On a un vrai full size. En plus, moi, avec ma longue chevelure, j'ai envie de dire, c'est mieux qu'un échantillon. Donc voilà. Ensuite, on va quand même essayer de le sentir. Alors l'odeur, elle est
Elle est assez fraîche, on dirait une odeur de pomme. Donc, non, je pense que ça va faire un petit rendu vraiment très sympa sur les cheveux. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve de beau dans cette Glossy Box? On a, le gel antibactérien de chez Merci Andy, citron pressé. Donc je vois qu'il y a une espèce de petite bille à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Des petites billes bleues. Donc on va regarder ce que notre cher menu nous a dit à ce sujet-là. Si j'arrive à tomber dessus. Alors pour le coup, autant les autres menus, les menus des autres mois sont assez... assez générique, mais alors là, celui-là, on est bonne pour tout regarder. Voilà, alors, merci Andy. Donc, gel antibactérien, 30 ml. Celui-ci fait. Est-ce que c'est marqué? Oui, 30 ml. Donc, c'est la version 30 ml qui fait 3 euros. Donc, visiblement, il est vendu sur ce format-là. Je pense que vous devez sûrement pouvoir le trouver en format plus grand. Mais bon, pour le sac à main, je pense que c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'ils me mettent? Vous avez donc 6 parfums qui existent. Donc Nouvelle Vague, Flower Power, Lollipop, Black Vanilla, Citron Pressé et Encens du Japon. Donc en l'occurrence, ce mois-ci, moi j'ai le Citron Pressé. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Hop. Ça sent pas forcément Citron Pressé. C'est vraiment très alcoolisé. Ça me fait penser à de l'eau de Cologne. Tout simplement. Par contre, citron pressé, bon, il était pressé loin celui-là. Donc non, ça sent plus l'eau de Cologne et l'alcool que le citron pressé. Enfin bon, ça vous serait libre d'en juger par vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette glossy? On a le Lord & Berry, donc c'est un crayon lipstick de chez donc, Lord & Berry. Donc je ne connaissais pas cette marque. Donc visiblement c'est un rouge un peu orangé. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Donc c'est un crayon qui fait 1,8 g, qui coûte 22 euros quand même. J'espère qu'il est dommage que la couleur ne fait pas forcément une couleur que je mets. Celui-ci, qu'est-ce qu'il met? Ce crayon allie à la fois le confort d'un rouge à lèvres crémeux à la praticité d'un jumbo. Ultra précis, permet de dessiner, de colorer les lèvres d'un seul geste. Sa texture fondante et son fini mat lui confère un rendu unique qui fait toute la différence. C'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même la grande mode des mats. Écoute, on va essayer de faire un swatch. Bon, c'est vrai que par contre, c'est vraiment pas les couleurs que je mets. Ceci dit, en crayon en base, pourquoi pas. Après, vous rajoutez un rouge à lèvres un peu plus foncé sur le dessus, ou tout simplement un gloss qui pourrait peut-être le rendre plus joli. Pas qu'il n'est pas joli, mais c'est vrai que c'est pas forcément mes couleurs. Donc on va pour celui-là. Donc en effet, il est assez crémeux à tester sur une journée entière. Et donc le dernier produit qu'on a dans la box ce mois-ci, c'est un gel douche donc hydratant à l'aloe vera de chez From Nature. Donc qui se présente comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau sur ce gel? Alors, j'insiste à dire que c'est vraiment un menu qui n'est pas pratique pour découvrir. Alors, on va y arriver. Donc, celui-là fait 100 ml. En full size, il fait 300 ml. Il est vendu 12,99 €. Telle une promenade en pleine nature, ce gel douche fait voyager. Sa formulation douce et non agressive s'adapte à tous les types de peau. Son parfum enivrant laisse un sillage délicat qui dure longtemps sur la peau. Donc oui, on va voir ce que ça sent. Rien de transcendant, hein. Ça sent j'ai envie de dire, ça sent presque rien. Bon, bah j'ai envie de dire, ça sent presque rien. Donc, à moins que vous ayez une préférence sur les gels douche qui sont très neutres et qui n'ont pas forcément d'odeur, je pense que celui-là pourrait vous plaire. Donc, c'est vrai que l'avantage de l'aloe vera, c'est que c'est la particularité d'être vraiment très hydratant.
Surtout en plus quand, petite astuce, quand vous avez des coups de soleil, donc vu que les beaux jours vont arriver, vous allez sûrement prendre des petits coups de soleil. Le gel d'aloe vera est vraiment super bien pour les coups de soleil. Ça apaise, ça rafraîchit, c'est vraiment top. Et en plus c'est 100% naturel, donc que demander mieux. Donc bah écoutez, voilà pour la Glossy Box. Ma foi, ce mois-ci, elle n'est pas si mal que ça. On a quand même donc un full size sur le shampoing, donc un gel douche, un gel donc, antibactérien pour les mains, pour le sac à main. On est plutôt dans le vert ce mois-ci. Donc le crayon rouge à lèvres, donc celui-ci, hein, j'ai pas vu la couleur qu'il avait. Non. Alors, peut-être la couleur Kiss, je ne sais pas. À vérifier. Et donc nos fameuses lingettes auto-bronzantes. Bah écoutez, je pense que les lingettes ont essayé sur les jambes d'ici peu. Le gel dans le sac à main. Et puis bah, demain matin, rendez-vous sous la douche avec le gel. Bah voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo donc, avec la découverte de la Glossy Box du mois de mai. N'hésitez pas à aller vous faire un tour sur le site. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Et puis, pour la petite parenthèse, si jamais le make-up que je porte aujourd'hui, vous souhaitez que je vous fasse un petit tuto dessus, donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires en barre d'infos. Et puis, bah, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!